L'ananas, pineapple. Sorry. Yes, the many plumed one, as in Quetzalcoatl. Le many plumed, like the peacock's feathers. Quetzalcoatl, ou les plumes de paon. Mm. So this is called consumed perspective. Perspective multiple en un. And it refers to the electric fusion, holy communion at the core of DNA. C'est la communion des saints au cœur de l'ADN. And in that place of infinite compression, et en ce lieu de compression infinie, only shareable waves survive. Seules les ondes qui sont capables d'être partagées ou d'être mises en commun survivent. In physics, that's defined as coherent electrically. En physique, c'est en survivre. That's defined as coherence electrically. C'est la cohérence électrique. And we know now that the perfect form of coherence is in fact fractal. La parfaite forme de la cohérence est en réalité fractale. For example, the hologram is enabled by not just coherence but by fractal coherence, yeah? L'hologramme correspond à la cohérence fractale. So, we want to investigate what the death experiencers saw. Can we do a little A pause. There's a requested for a pause. Yes, shall we take a break? It's okay. Yeah. Yeah. We take 5 minutes. Yeah. Good. Oui. Donc, quelques questions ont été posées. Donc, on va répondre brièvement. On a combien de temps, Barbara? Une heure? Non. Qui pose la question? Christian Gana, il est où? Christian? À propos de ces questions? Tu vas chercher? Let's just see if we can answer the ones we already have. Then we'll get to cremation. Ok, on a déjà quelques questions, on va y répondre maintenant, puis on verra. Focus, voilà, Christian, est-ce que tu peux poser les questions donc, Oui, j'avais okay. une question à poser. So he has one question, no? Est-ce que Dan pourrait redéfinir could you define la notion d'une fractalité? Yes, I'd like to answer the question just with a picture. Donc je vais répondre à la question par l'image. Does anyone looking at this picture not know what a fractal is? Yeah. Est-ce que une personne parmi vous en voyant ces images ne sait pas toujours pas ce qu'est la fractalité? A fractal is when the inside looks like the outside. Yes. En fait, la fractale c'est ce qui est l'autosimilitude dont Dan parlait, l'image à l'extérieur est comme celle qui est à l'intérieur ou vice-versa. And Mother Nature is fractal for very important reasons. Yeah. Et la notre mère nature est fractale pour une raison bien évidente. Because charge compression is the essence of life. Car la compression de charge est à l'origine l'essence même de la vie. And fractals are the only infinite compression known to physics. Et les fractales sont les seules. What do you say? The only infinite compression les known seules to physics. Compressions infinies connues en physique. Yeah. The other question that was asked was about coherence, yes? L'autre question était à propos de la cohérence. Coherence is measurable in the heart as pure intention. La cohérence est mesurable au niveau des ondes cardiaques comme l'intention pure. I am credited in the literature with inventing the word heart coherence, for example. Dan est crédité dans la littérature scientifique comme étant l'un des premiers à parler de cohérence cardiaque. And this is the mathematics I pioneered for the measurement of coherence in the heart. Donc c'est l'instrument que Dan a inventé pour mesurer la cohérence au niveau du cœur. It's called a sepstrom. C'est une nouvelle mathématique appelée le sepstrom. And essentially, the electrical coherence of your heart is your emotional coherence because. Essentiellement, la cohérence émotionnelle correspond à la cohérence cardiaque. Because a shareable wave defines coherence. Car une onde qui est partageable, qu'on peut mettre en commun. Définit la cohérence.
And it also defines pure intention. Et la pure intention. And the most shareable wave is fractal. Et les ondes les plus partageables sont fractales. So for example, we notice in brain waves. Par exemple, nous remarquons au niveau des ondes cérébrales. That at the moment of bliss or enlightenment. Qu'au moment des états de félicité ou d'illumination ou d'extase. We have golden mean ratio in brain waves. Nous avons retrouvons cette proportion du nombre d'or également entre les ondes cérébrales. And you see the principle. Et vous voyez le principe. It is compression. Vous voyez, ce caducé représente cette compression. The symbol of Hermes, the symbol of medicine, and the symbol of DNA is the same. Le symbole d'Hermès, le symbole de l'ADN, de la médecine, est le même. It is the caduceus called perfect damping in mathematics. C'est ce caducé que l'on appelle cet amortissement parfait en mathématiques. Which simply means golden mean ratio allows a spin path to a zero point. Qui signifie simplement que ce nombre d'or permet d'arriver à ce point zéro in the spin path. A spin path to a zero point. It allows implosion, yeah? Qui permet donc cet effet d'implosion. And this was extensively documented to be the measurable physiology of bliss, enlightenment, yes? Et qui a été documenté comme étant la physiologie de l'extase, de l'illumination. Again, golden mean ratio in brain waves. On retrouve à nouveau donc cette proportion du nombre d'or au niveau des ondes cérébrales. Creating perfect compression. Créant donc cette compression parfaite. So, to make attention, you make compression. Pour créer l'attention, on crée la compression. And when compression is perfect, that attention becomes bliss. Yes? Quand cette attention, cette compression est parfaite, cela crée ces états de félicité. The very definition of enlightenment. La définition même de l'illumination. If anybody would like more information about the heart tuner and bliss tuner, we have it up here afterwards. Si yes? Quelqu'un d'entre vous veut plus d'informations sur ces inventions de Dan, le bliss tuner, le heart tuner, on a des documentations ici. And the DVDs available in the back have a good examples of that experience. Et on a des DVD qui viennent d'être faits grâce à Christian et son fils qui viennent de sortir, donc on sera heureux de vous les partager. Et il y a une expérience justement sur ces inventions dans ces DVD. The concept of harmonic inclusiveness or the caduceus. Le concept d'inclusion harmonique ou de caducé indicates survivability in heart rate variability, HRV. Est un signe de survivability. De capacité de survivre in heart rate au niveau de la variabilité du rythme cardiaque. And you can see what that perfect damping caduceus is doing, yes? Et on peut voir ce qu'effectue ce caducé, cet amortissement parfait, peut effectuer. It's creating an implosive still point. Il crée ce point implosif, ce point zéro d'immobilité. So then, just to return to where we left before the break, if I may. Pour reprendre le point que nous avions quitté juste avant la pause. We had just looked down the tunnel of DNA. Donc nous regardions au niveau du tunnel de l'ADN. And we asked the question, what do you see when you die? Et nous posons la question, que voyons-nous lorsque nous mourons? So the study was done by Heinrich Kluwe. Donc l'étude a été effectuée par Heinrich Kluwe. And they were called the rather famous Kluwe form constants. Et les célèbres constantes de Heinrich Kluwe. And he interviewed a large number of people who had just died, near-death experience. Il avait donc interviewé un grand nombre de personnes ayant effectué une expérience proche de la mort.